Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017. Toujours donc dans le même esprit comme les familles clients et fiches clients. Donc là, nous allons le voir maintenant au niveau des fournisseurs. Eh bien, c'est aussi important effectivement de créer des familles fournisseurs. Alors là, bien sûr, hein, je parle surtout pour les entreprises de négoce, puisque en fonction de votre activité, en fonction du type d'achat, eh bien, le fait de créer des familles, ça serait intéressant pour les statistiques, mais également, je pense, donc c'est parce que nous on va le voir dans ce cas-là, si vous créez par exemple une famille de fournisseurs grossistes et que, en fonction des grossistes, bien sûr, vous avez une remise définie, eh bien, on va affecter directement cette remise par type de famille fournisseur. Comme ça, quand vous allez créer des fournisseurs, eh bien, automatiquement, cette remise va s'affecter. Et après, en plus, c'est très important aussi pour les fiches fournisseurs, puisqu'après, lorsque vous allez créer vos articles, eh bien, il faudra systématiquement penser à affecter le fournisseur dans l'article, notamment au niveau des Réa Pro. Alors, on va voir déjà comment créer des familles fournisseurs. Donc, quand on est, vous voyez ici dans le menu achat, donc on a nos pen guide fournisseurs, mais ici on a d'abord la main que sur fournisseurs pour créer les familles. Vous voyez, on va aller ici dans l'arborescence et on va créer ici famille fournisseur. Je vais faire donc ajouter. Là, par exemple, je vais l'appeler grossiste, tout simplement.